Et salut à tous, c'est Naftali et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Psychonauts. J'espère que vous allez très très bien. En tout cas, moi oui, j'ai une patate formidable et je suis prêt pour avancer dans l'esprit de Raz que nous venions de pénétrer à la fin du précédent épisode. Donc c'est parti, on doit suivre un lapin qui je ne sais pas où il est mais il doit être devant. Enfin bon, on y va, donc on chope les bribes comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et on avance un petit peu. Alors est-ce qu'on peut péter ce bout de viande? Ok, on a une pointe, on a une... Voilà. On découvre toujours... Waouh. Ok, il y a des monstres. Il y a des monstres. Je sais pas si... Ouais, je lui ai mis la pâtée. Donc c'est à peu près le premier combat qu'on a à faire. Hein. Certes, on avait eu une rencontre avec un ours, mais il nous avait mis un petit peu la misère. Mais là, dans l'esprit, c'est le premier combat qu'on a à faire. Ma foi, c'est plutôt pas trop mal. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans... On voit le petit lapin au loin. Qu'est-ce qui va se passer dans l'esprit de Raz? Voilà, j'ai eu la bribe. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, on attend de découvrir. On a vu un petit peu des bribes de son passé, à savoir comment il est... Il avait quitté sa famille et tout ça. Et donc, voilà. Alors là, j'ai récupéré un petit peu de vie, ce qui était pas trop mal, parce que j'en avais perdu un peu sur le dernier combat. Un nouveau rang psy, ok, très bien. Là, on a une nouvelle étiquette. Il semble qu'on en a deux. Je crois pas trop me tromper. Donc ça, des pointes. Parfait, parfait. La monnaie du jeu, je rappelle. Les bribes. Ça donne une pointe aussi. Bah, très bien. Ah, bon, on peut gagner des pointes alors aussi dans... Oula. Dans l'esprit. Sacha, joué. Qui a-t-il? Un autre lapin? Non. C'est plutôt du genre démon super effrayant aux yeux flamboyants. Oh. Quoi? Très bien, je vais te sortir de là. Laisse-moi juste une seconde. Sacha? Attends, il y a toujours des interférences bizarres. C'est fascinant, comme si quelqu'un d'autre était... Agent Nine? Désolé, c'est presque prêt. Sacha! Ok. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a l'air un peu troublant pour notre cher petit Raz. Petit écran de chat. Ok, on est sorti. Ça n'est pas normal. Il faut qu'on réessaye. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire que je reparte dans le tour voir ces trucs aux yeux brillants. Comme tu veux. Tu sais, dans de nombreuses sociétés tribales, triompher des monstres qu'on voit dans les rêves est considéré comme un rite initiatique. Je peux t'apprendre à te battre. Reviens me voir quand tu seras prêt. Bah, je propose qu'on y retourne directement, les amis. Parce qu'on a que ça à faire, et puis c'est parti. Alors. Ok. Je suis prêt à apprendre comment vraiment me battre. Oh, vraiment? Quoi? Rien. Mais je ne m'attendais pas à te voir accepter ma proposition. Généralement, elle fait peur. Ben, pas à moi. Je suis prêt à tuer pour le camp. Écoute, désolé, mais je ne peux pas te former. L'agent Vodello me tuerait. Où est le problème? Il suffit de ne pas le lui dire. Tu n'as même pas de permis d'apprenti tireur d'élite. Je risque ma place. Je vais le chercher. Même si tu utilisais ce passage secret là-bas pour te glisser dans son sanctuaire, l'agent Kruller ne te donnerait jamais un permis d'apprenti tireur d'élite. L'agent Kruller. Pas la moindre chance que... J'y vais. Je reviens dès que j'ai parlé à l'agent Kruller. Ok, bah c'est parfait. En plus, ça nous introduit ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent, c'est à savoir ces espèces de souches. Donc de savoir à quoi elles servaient. Et alors, vous allez voir, on tombe là-dedans. Où voulez-vous que je vous amène, agent Kruller? Et donc, en fait, c'est une espèce de passage secret, de raccourci pour nous emmener directement où on souhaite aller. Alors, allons. Je sais pas où on doit aller, en fait. Est-ce qu'on a... Amenez-moi aux cabanes des enfants. La grande salle, le parking, feu de camp. On va aller à la cabane des enfants, parce que je sais plus où il faut aller. Amenez-moi aux cabanes des enfants. Avec plaisir. Au pire, on se redéplacera maintenant qu'on sait qu'on a ces raccourcis, que moi j'avais découvert un petit peu en off dans l'épisode précédent. On va s'en servir. Alors, Kruller, mais je sais plus qui est Kruller. Donc vaincre on machin. Obtenir de Ford Kruller un permis d'apprenti tireur d'élite. Kruller, mais je ne sais pas où est Kruller. C'est pas Wellander, ça c'est sûr. Donc je suis venu ici pour rien. C'est pas trop trop grave, on va se déplacer. Kruller, c'est pas le vieux moustachu? On va voir ça. Ford Kruller, si, ça doit être ça. Bah, écoutez, attendez. Il doit y avoir une autre souche dans le coin. On va essayer de téléporter, voilà. Elle est en face. Je crois savoir... Enfin, je vois l'endroit où il faut aller, mais je me rappelle plus comment on y va. Écoutez, on va se servir... Sur la map, c'est peut-être indiqué que je suis bête.
que je suis bête. Kruller, où es-tu? Il faut que j'aille. Faut que je retourne là-bas? Oh. Faut que je retourne au camp de Sacha, apparemment. Enfin, l'objectif est toujours là-bas. Je sais pas si c'est objectif principal. Alors écoutez, attends. D'abord, on va aller. Voulez-vous que je vous amène à Jean Kruller? On va aller. Voilà, ici. Allons chez Ford! Enfin, je veux dire, à mon sanctuaire. Oui, noble psychomètre. Je crois que c'est lui, hein. Il me semble que c'est là-bas, peut-être. Au pire, on reviendra donc au camp de Sacha, puisque c'est là-bas qu'il nous avait indiqué. Et... nouvelle zone. Assez classe. Et je crois que c'est là. Te voilà enfin. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, monsieur. J'ai cru vous reconnaître dans mon rêve, mais je n'en étais pas sûr. Maintenant que je vous vois dans votre élément, tout est clair. Vous êtes Ford Kruller, le plus grand chef de l'histoire des psychonautes. Eh bien, tu ne devrais pas croire tout ce que l'on peut lire dans Histoire psychique. Donc on est arrivé au bon endroit, c'était bien ça. Alors, qu'est-ce que vous faites ici, Auroch qui murmure? Sacha dit que je veux me battre. Je vous ai vu ratisser, c'était une couverture. On va d'abord demander, on va faire dans l'ordre. Qu'est-ce que vous faites ici, Auroch qui murmure? Ce site d'entraînement est construit juste au-dessus du plus gros dépôt de psitanium connu. Il occupe toute la vallée et en fait une région précieuse pour les psychonautes. Alors, je veille dessus. Et je veille aussi à ce qu'il n'y ait pas de mort chez vous, les enfants. D'accord. Le psitanium, on va demander aussi ce que c'est. Du psitanium? Le psitanium est un minéral psychoréactif très rare contenu dans une météorite qui s'est écrasée ici, il y a plusieurs siècles. Il réagit aux ondes psychiques. Il les concentre, les amplifie. Il rend les psychiques plus psychiques, mais il peut aussi rendre les instables plus dangereux. Tout le monde n'est pas capable de gérer autant d'activités dans cette partie du cerveau. Ça peut rendre complètement givré. Cette vallée a eu une histoire mouvementée. Hein? D'accord. Alors, Sacha dit que je peux apprendre à mieux me battre. Je voudrais, oui, on l'a vu ratisser. Enfin, on l'a vu un peu partout dans le camp. Donc, est-ce que c'était une couverture? Je vous ai vu ratisser. C'était une couverture? Oui, eh bien, j'ai pas mal de déguisements. Ça me permet de vous surveiller où que vous alliez. Bon, quand je serai déguisé, je ferai parfois semblant de ne pas te connaître. Ne me trahis pas, d'accord? N'en dites pas plus. Je protégerai votre couverture. Bon, allez, on va demander ce pourquoi on est venu pour apprendre à se battre. Sacha dit que je dois apprendre à mieux me battre. Il veut t'enseigner le combat avancé? Dès le premier jour? Ouais, j'ai eu une vision. Un gros monstre avec des yeux jaunes et une grande bouche pleine de dents qui grinçaient. Est-ce qu'il t'a craché quelque chose dessus? Ouais. Ça ressemblait à un casque de scaphandrier. Je vois. Oui. Eh bien, il vaut mieux qu'on t'arme. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Prépare ton esprit. C'est ça, la devise des psychonautes. Tiens. C'est un permis d'apprenti tireur d'élite. Il ne marchera que dans l'esprit de Sacha. Après avoir suivi son cours de tir, tu recevras le badge officiel et tu pourras faire du tir psy partout où tu le voudras. Merci. Du tir psy? Ah, tu verras. Maintenant, file. On ne peut pas laisser des monstres cracheurs d'ordures à gros yeux envahir le camp, pas vrai? Non, chef. Allez. Je ferais mieux d'y aller. J'ai plein de choses à faire. Bonne chance, Rasputin. Merci, j'en aurai besoin. Ne t'en fais pas, je serai toujours avec toi, dans ta tête. Ma c'est tête glauque, ça. Oui, je veux garder un œil sur toi, petit. Alors, je vais jouer les psychostoppeurs dans ton crâne. Si jamais tu veux me faire apparaître, utilise cet équipement spécial. Du bacon? C'est... un morceau de bacon? Oh oui, j'adore le bacon. Rien qu'à l'odeur, je ne résiste pas. Je laisse tout tomber et j'accours. Ok. Vous auriez genre un sachet ou quelque chose pour le mettre dedans? File en vitesse ou je le mange tout de suite! Ok, donc on a obtenu, en plus de ce bacon qui nous permettra de l'appeler qu'on a ici dans notre inventaire, dont on sait se servir désormais, on a eu un espèce de petit permis qui nous permettra d'avoir un nouveau badge pour apprendre à se battre et à tirer tout simplement. Allez, hop, on retourne chez Sacha.
Où voulez-vous que je vous amène, agent? On va essayer d'avancer un petit peu. Je suis désolé, je parle pas beaucoup. C'est vrai que dans ce jeu, il y a beaucoup de cinématiques. Feu de camp. Hop, c'est ici. Rapprochez-moi de la chambre de psycho-isolement géodésique. Reçu, forestier Kruller. Donc c'est parti, on va revenir voir Sacha et on va apprendre une nouvelle compétence qui nous aidera, je pense, beaucoup. Oui, ça on connaît, on sait ce qu'elle dit et ah, petite cinématique. Hey Lily, tu vas à l'entraînement avancé? Tu as l'air pressé. Tu plaisantes? Je n'ai que quelques jours pour devenir psychonaute ou je ne le serai jamais. Écoute, Raz, je ne voudrais pas briser tes rêves, mais les psychonautes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les choses ont changé. Tu sais, le monde n'a plus besoin de nous. Le monde a trop besoin des psychonautes. Surtout ici, dans cette colo, en fait. Je crois qu'il se passe des choses louches qui méritent une enquête psychique. Tu es si immature et mignon. Quand est-ce que tu vas la fermer et m'embrasser? La fermer et quoi? Oh, je ne savais pas que tu... Il faut que je file. Salut. Oh, j'ai trop la honte. Ok, donc les sentiments qu'avait notre cher petit Rasputin à l'égard de... C'est Lily, il me semble. J'oublie toujours son prénom, excusez-moi. Sont réciproques, en tout cas, ces sentiments. Hop, une petite flèche qu'on prend très rapidement. Et on va retourner donc voir Sacha. Donc on a 30 permis pour tirer, je sais pas trop quoi, on voit en bas à droite. On va voir ce que ça donne. On rentre dans le laboratoire de Sacha, que j'aime beaucoup d'ailleurs, d'un point de vue design, j'aime beaucoup ça. Regardez-moi ça, moi j'adore. Je vais le dire à chaque fois, et puis, crotte. Ça on peut les casser. Voilà, ça sert à rien mais on peut. Alors, où es-tu mon cher Sacha? C'est parti. Ok, je l'ai. Regardez. Excellent. Bon, là je suis couvert. Tu es sûr de vouloir essayer? Ça pourrait être dangereux. Oui, on y va. Oui. Vous allez me faire entrer dans votre esprit comme le coach? Je l'aime bien. Mais il est temps que tu vois à quoi ressemble un esprit organisé. On va aller dans l'esprit de Sacha. Donc un nouvel esprit nous est offert et ouvert en plus, qui m'a l'air totalement différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Bienvenue dans mon esprit. Il est tout vide. Je veux dire... Il contient bien plus que ce que tu vois, mais j'ai appris à tout contrôler strictement. Et c'est ce que je vais maintenant t'enseigner. Le contrôle, tes sentiments, tes peurs, ta colère, tu vas apprendre à les contrôler, les gérer, les concentrer et les libérer. Comme thérapie? Non, comme puissance de feu. Suppose que quelque chose de vraiment horrible te saute dessus, quelque chose de si laid qu'il faille vraiment le tuer. Ah, oh, quelle horreur, je ne peux pas poser les yeux dessus. Mais je contrôle mon dégoût, je le gère, je me concentre et le libère. Et le monde se porte mieux. À toi. Classe. Donc là, oui, effectivement, c'est totalement différent de ce que... Pardon. De ce que nous avait montré... pardon, l'esprit du coach Ollander. Alors, appuyez... Je vais regarder, excusez-moi, très rapidement, dans les options. Parce que franchement, au niveau des commandes, je suis avec une manette et il me dit pas du tout paramètres. Y a pas moyen de changer. Bon, je regarderai ça en off. On va essayer de se débrouiller. Écoutez, je suis pas là pour vous faire un épisode sur les options. Hop, voilà. Donc, comment ça marche? Ok, donc je vise. Bien joué. Ah, d'accord, Raz, ok, continue. C'est très très simple. Bien joué, Raz, continue. Et bim! Voilà. Excellent. Le bongo a triomphé. Augmenter ta précision de visée. Suppose que tu aies affaire à plusieurs agresseurs. Mais tu dois les éliminer dans un certain ordre. Débarrasse-toi de ces monstres dans l'ordre approprié et nous passerons à la leçon suivante. Ok, ça marche. Donc ça devrait pas être trop compliqué. Voilà. Bien, encore. Et là. Bien, encore. C'est bon. Très bien. On continue, pardon. Qu'est-ce que c'est?
Est-ce ça que tu as vu dans ta vision ? Eh bien, ça avait l'air beaucoup plus gros dans ma tête. Ah, souvent, les problèmes paraissent plus grands dans nos têtes qu'ils le sont vraiment. C'est quelque chose à retenir. Mais... C'est un senseur, une espèce d'anticorps de tout esprit normal. Les senseurs parcourent l'esprit à la recherche de pensées étrangères. Hallucinations, manies, rêves éveillés. Les senseurs les traquent systématiquement et les éliminent. Pourquoi ils s'attaquent à moi ? Je suis pas une manie ! Non, mais tu es étranger à mon cerveau. Tu n'as en réalité rien à faire ici. Oui, mais j'ai été attaqué dans ma propre tête. Oui, eh bien peut-être le tour mental a-t-il un défaut. Ou bien alors tu es fou. Nous verrons ça plus tard. Pour l'instant, tire dessus. Ok, alors, qu'est-ce que... Voilà, on tire dessus, ça c'est fait. Beaucoup de cinématiques, voilà, je suis désolé. C'est ça. Je l'ai tué. Ce n'était qu'une de mes pensées, et il n'est pas mort. Il a simplement repris sa forme de base. Énergie psychique brute. Va l'absorber, c'est bon pour ta santé mentale. Ok, donc c'est une phase de tutoriel sur beaucoup de choses qu'on savait déjà, genre là c'est de la vie. En absorbant cette énergie, ta santé mentale augmente. Mais quand tu tires... Tu dépenses de la volonté pour causer des dégâts. Alors reste à l'affût de ces petits concentrés d'agressivité psychique à l'état brut. Absorbe-les aussi pour toujours disposer d'assez de puissance de feu. Je vais laisser la machine allumée pour que tu t'entraînes. Tu dois abattre 1000 senseurs pour obtenir ton badge de tireur d'élite. Si tu reviens t'entraîner tous les jours, tu devrais avoir atteint ton quota d'ici 3 semaines. 3 semaines ? Mais je n'ai que quelques jours pour décrocher tous mes badges et devenir psychonaute. Rien ne sert de courir, mon jeune ami le lièvre. Entraîne-toi, doucement et prudemment. Oh. Ok, donc c'est un objectif relativement long qu'on a là, et on découvre un... Merde, pardon. On découvre un petit peu... le... Wow, 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 et court ces petites pointes. Le... Qu'est-ce que je racontais ? Je ne sais plus, c'est pas grave. On va faire 100. Donc, il va falloir que j'en désingue 1000. Qui est énorme. Comment... Surtout que... Hop, ok, donc là... Ça va durer une éternité. Je me demande si je peux accélérer les choses. Oui, ce serait bien, ce serait bien. Est-ce qu'on peut... J'essaie de taper, parce qu'à mon avis, il doit y avoir forcément une solution pour accélérer un petit peu les choses. Marrant, ça. Est-ce qu'on peut y aller? Ah! D'accord, c'est un cube, on peut se balader sur tous les côtés du cube. C'est... Waouh, waouh, waouh. On a failli se faire attaquer par cette chose, ce senseur de l'esprit. Je me demande ce qui se passerait si je poussais ce truc. Tu poussais quoi, Raz? Qu'est-ce que tu veux pousser? Ça, là? Non. Ah, ça, là-bas, peut-être, plutôt. Pardon. Ok, donc on augmente un petit peu. Donc on devrait y en avoir un peu plus, je pense. Hop, alors je ne sais pas trop. Ils sortent plus vite, mais pas encore assez vite. On va augmenter, écoutez, on est des fous. Hop, allez, hop, c'est parti. Oui, ça fait beaucoup de hop. Toujours pas assez vite. Donc là, je sais pas s'il va falloir que je fasse les 1000 comme ça, mais hop, punaise, on a eu chaud. Ok. On va augmenter encore la vitesse, parce que Raz le veut. Moi j'étais plutôt bien là. Mais écoutez. Oh mince, j'ai gaspillé. Toujours pas assez vite. Ok, toujours pas assez vite. Très exigeant le petit Raz. Il y a plein de trucs à récupérer, je veux tout récupérer, mais c'est difficile. Ouais, mais attends, et plus vite Raz, ça va être difficile ça. Il est fou, il veut faire craquer le système. Waouh. Toujours pas assez vite. Ok, donc là c'est du shoot. Faut encore augmenter d'après Raz. Monsieur, pour moi, c'est plutôt correct. On va augmenter, on est des fous, allez. Là on est à 6, hein. Ça va bientôt devenir mortel. Hop là, il va se faire certainement reprendre par Sacha. Toujours pas assez vite. Toujours pas assez vite, punaise. En fait, ce qui est perturbant, c'est que ça loot, plein de choses. Oups. Et du coup, on veut tout attraper. Alors que bon, si c'est utile, mais on peut pas tout attraper techniquement. C'est relativement difficile. Wow, même si là j'ai réussi à choper pas mal de choses. Ok, donc là il a demandé encore d'augmenter tout à l'heure, on le fait. Et là c'est la catastrophe.
Oh. Oula. Oh ouais, venez ici. Rince, mais qu'est-ce que tu as fait? On n'a plus le contrôle. C'est le chaos. Je vais faire de mon mieux. Toi, reste ici et empêche-les de devenir trop nombreux. Ok. Mais l'épisode d'aujourd'hui sera un petit peu plus long ou pas? Où est-ce que je vous laisse là? La question me taraude l'esprit. Je pense qu'on va se laisser ici parce que ça promet justement pour le prochain épisode. Et que là, sinon, ça risque d'être un petit peu long, je pense. Ça a l'air d'être d'un tout nouveau niveau. Donc écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, vous pouvez bien entendu laisser un j'aime si vous l'avez apprécié. Un commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé. J'aime beaucoup ça, j'apprécie d'ailleurs. Ça me permet de progresser dans mes vidéos et de vous fournir du contenu de meilleure qualité, du moins je l'espère. Donc sur ce, moi je vais vous dire à très bientôt pour le prochain épisode. Et donc portez-vous bien et à bientôt tout le monde.